Bonsoir tout le monde, nous comptons entrer la cœur pour le journal TNH là et pour que nous puissions présenter un grand titre. Président République la Jovenel Moïse a retourné dans le pays après participation dans la 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Chef l'État a présenté bilan activité lui-même pendant passage ligne dans New York. Responsable Office Protection Citoyen OPC réalisé en semaine formation pour divers jeunes qui sortent dans plusieurs villes dans le pays sont ensemble doit moun gagnant technique pour faire plaidoyer accès à la justice détention préventive prolongée ces thèmes qui te débattent avec participants yo. Ministère agriculture ressources naturelles et développement rural dans tête collée avec Organisation mondiale santé OPS OMS célébré vendredi 28 septembre journée mondiale la rage. Puis vers la modernisation de la justice pénale haïtienne, c'est sous thème ça, Association nationale magistrat haïtienne en tête collée avec ambassade américaine en Haïti et puis quelques autres partenaires organisé une conférence débat. Et puis premier ministre israélien Benjamin Netanyahu accusé pays Iran comme quoi il a gagné un site et stockage atomique secret dans Téhéran, une accusation ambassadeur iranien en Nations Unies voyez jeter. Rete avec nous amis TNH titre l'autre sujet pour développer à soya dans le journal. Comment la mer y est, à qui le soleil est couché, à qui le la pluie demain si Dieu veut, nous parlons toute information ça y est avec météorologue nous Wilner Polidor. Merci Pasco, branché télévision nationale d'Haïti dans le ça pour prévision météorologique là en alors comment situation est sous pays d'Haïti. Nous gagnons avec d'altitude qui trouve au niveau de l'Atlantique Nord qui a généré une masse d'air qui est plus ou moins humide et instable sous pays d'Haïti et cela veut dire que jeudi encore on a battu nous avec quelques activités la pluie sous toute région sud pays d'Haïti, département de l'Ouest aussi concerné, l'Antibonite, le centre, le nord-est et le nord en fin d'après-midi et en soirée. Temps sensible là, je dis à Nabgué, un temps qui a ensoleillé en journée, ce bel soleil avec quelques souffles de vent qui a voté sous PIA, mais en fin d'après-midi, je ne dis là, quelques convections locales pour aller quelques activités là, puis sous département de notre cité là, disons toute région sud là, l'ouest. L'Antibonite et le centre, le nord-est et le nord en fin d'après-midi et en soirée. Mais à partir de demain, on a commencé à gagner plus d'instabilité, Jean-Noël, là, par rapport avec ex-tempête tropicale Kirk qui a déplacé vers sud Grand Antilles et il pourra influencer le pays d'Haïti à partir de demain et dimanche. Et nous attendons avec gros activité la pluie à partir de demain soir, qui c'est samedi et dimanche, la pluie a augmenté sous le pays d'Haïti par rapport avec Jean-Noël, la dépression tropicale là, qui a privé, qui a parallèle avec le pays d'Haïti à partir de dimanche. Cela veut dire que le secrétariat permanent qui a géré ça avec désastre, de conseil avec protection civile et UHM mettaient un avis d'inondation sous pays A et majorité département concerné par activité la pluie non seulement samedi et dimanche et c'est pour ça que des moun qui étaient dans la zone qui ca inondé pour y aurait été veatif parce que gros la pluie cap tomber à partir de demain et dimanche capable provoquer quelques inondations sous quelques départements pour jeudi à en parlant de samedi et dimanche et c'est pour ça demander population capable rester veatif par rapport avec situation ça pour capitale avec zone qui avait le son capitale Cap Juy de yon journée qui vente et ensoleillé au cours de journée a mais en fin d'après-midi en soirée quelques convections qui étaient possibles c'est-à-dire la pluie isolée avec quelques coups de l'orage qui étaient possibles sous capitale avec zone qui environnait lui gon température cap monter jodi a jusqu'à 35 degrés et puis par la descente dans nuit là c'est 24 degrés Celsius et activité la pluie a augmenté sous capitale à partir de demain et dimanche par rapport avec dépression tropicale qui a privé sous
pays à partir de samedi et dimanche. En ce sens, nous demandons tout le monde qui était dans le quartier qui est vulnérable dans le département de l'Ouest et surtout dans la capitale là, avec zone qui environne les priorités véatifs parce que a gagné gros la pluie à partir de samedi et dimanche sous la capitale là, avec zone qui environne les nous avons la mer qui agitée à fort en sous côte sud pays d'Haïti, mais pour golfe de la Gonave et côte nord pays d'Haïti, il est capable de naviguer seulement précaution par rapport avec activité la pluie on prévoit demain et dimanche pour prendre en pile précaution parce que la mer a agité à fort sous côte Nouyo et pour pas sur le micro je dis à soir la coucher à 6h40 et la lever demain matin à 6h39. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé lundi pour l'autre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Et j'ai noté annoncé le président de la République, la Jovenel Moïse, a adressé bilan participation dans 73e session Assemblée Générale Nations Unies dans New York. Environnement, sécurité et énergie, c'est parmi les sujets qui étaient traités pendant différentes rencontres. Nous avons participé dans le forum avec le Premier ministre Nouvelle-Zélande, président Pérou et gouverneur Californie. Nous-mêmes, nous sommes clairs pour nous dire que je dis, nous sommes un pays qui n'a pas produit gaz à effet de serre, j'avais dit, qui a produit une petite quantité, et pourtant c'est nous-mêmes qui là qui payons tout pour casser. Par exemple, cyclone Mathieu, en 2016, il témoignait, Haïti perdu plus passé 2,7 milliards de dollars d'après le rapport que la Banque mondiale a fait. Ça veut dire qu'il y a 32% du pays Benou qui n'a pas parti aller dans le cyclone Mathieu pendant moins que 3 jours. Nous sommes clairs pour nous dire aujourd'hui, dans les affaires courant 24 sur 24 dans le Baléa, nous préconisons les énergies renouvelables. Ça veut dire que nous parlons d'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique et biomasse. D'ailleurs, nous mettons accent sur l'énergie solaire pour j'en ai regardé pendant 8 dernières années, de 2010 à 2018, comment prix énergie solaire a plongé descendre. Moi, j'ai participé dans l'ONU, dans une grosse rencontre sous affaire élimination choléra à l'horizon 2022. Et il faut nous dire, dans la rencontre de haut niveau, ça nous est clair. Pour nous dire d'ailleurs, ce n'est pas nous-mêmes qui disons, mais c'est l'ONU, dans le premier temps, qui était d'accord avec responsabilité. Et si tu es d'accord sur ça, il faut assumer. Et là, nous dit faut assumer. Il y a deux approches que le secrétaire général là. Il prend la première approche, c'est compensation victime. Deuxième, c'est on appui pour renforcer la structure nationale de santé publique et infrastructure de l'eau potable et assainissement dans le pays. L'information que nous avons jusqu'à présent, à travers le ministre de la Santé publique, là, qui fait nous connaître que nous avons besoin de près de 400 millions de dollars pour éradiquer le choléra net dans le pays. Mais 400 millions de dollars de besoin que la santé publique gagne, il n'est pas entré dans les affaires de compensation victime. J'avais dit FOC, Nations Unies, qui était venu à choléra en Haïti à travers le ministre, lui-même, il prend responsabilité pour que les victimes soient compensées. Mercredi 26 septembre, j'ai assisté. Dans l'autre forum, c'est Bloomberg Global Business Forum. Côté son gros événement, il y a plusieurs chefs d'État là, ancien président Bill Clinton, et il y a des gros chefs d'entreprise tout, qui étaient là, chercheurs, dans les grosses universités en Asie, en Europe et en Amérique, étaient là. Et ils ont parlé, discuté sur les grands défis mondiaux, sur les affaires environnement et sur innovation technologique. Après Bloomberg Global Business Forum, non, nous t'ai rencontré dans bilatéral, tu avais dit réunion de par deux avec directeur général Fonds monétaire international là et avec président Banque interaméricaine de développement BID. C'est madame Lagarde pour Fonds monétaire international et monsieur Moreno pour BID. Message nous a été clair. Nous avons discuté de nécessité pour financer les programmes sociaux. Parce que pendant que nous parlons de programmes à long terme, c'est ça que grand monde longtemps relève pour qu'on ait pour tant de bruit. Il faut que nous jouions des moyens pour nous aider. Dans mercredi soir, j'ai rencontré plusieurs centaines de compatriotes dans Spring Valley
Moi j'ai rencontré un pile monde New York. On était un pile monde pas me famille, amis, monde pas longtemps et nous t'ai passé documentaire 30 minutes sous 19 mois pour voir 19 mois de travail. Ça nous réalisé pendant 19 mois. Ça qui t'a attiré attention, le documentaire a fini. Ça là t'est vinn bruyante. En pile bruyante et puis ça mon yo t'a dit non, get calba k'a fait bol la caille pas moi pas wel. Ça veut dire c'est un coup nous ouais que nous condenser de 30 minutes pas de gain possibilité pour te montrer mon yo tout ça k'a fait dans pays là ensemble. Mais yo même par exemple moi j'ai un monde maniche qui dit moi pas wel rue k'a bétonner la caille moi. Chaque monde a parlé de ça yo pas ouais qui a fait la caille pas yo. Moi t'ai prononcer allocution dans le débat général 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Et allocution ça nous était clair que tout le monde qui l'a capitaine de me la cap garder me détendel nous te mettait accent sous de 2006 à 2016 bien plus passé 11 milliards de dollars qui entrent dans le pays qui dépensé qui pas entrer qui dépensé dans le pays dans affaires aide humanitaire et projet développement en faveur d'Haïti. Et pourtant pays a pas une route, nous y a un problème de l'eau. Nous avons un problème courant. Et pendant la participation dans la 73e session Assemblée générale Nations Unies, président Jovenel Moïse a plaidé pour une plus bonne utilisation aide internationale. Chef l'État exhorté organisation internationale qui a intervenu en Haïti pour traiter avec l'État au lieu de multiplier petits projets tous côtés sans mettre accent sur vrais besoins. Nous avons invité au suivant extrait. Pour voir que le peuple là, permettre nous diriger là jodia nous dit cob cap entrer dans pays jodia on voit si cob ça yo capi utile. Ça veut dire cob ça yo pour pas faire duplication. Ça veut dire c'est un coup dans environnement pour nous mettre pépinière dans tout pays là. Nous te dit ça tout hier dans discours, nous besoin 35 millions de dollars pour nous construire 14 gros pépinières cap mettre en disponibilité de 63 millions de pieds bois dans pays là. Et combien pieds bois nous besoin par année pour nous reboiser Haïti net pendant peut-être 10 ans qui va venir? Nous besoin 50 millions de plantules chaque année et à 35 millions de dollars nous avons construit pépinières pour produire 63 millions de plantules. Ou pas regarder pour ou un projet reboisement dans pays qui presque dépasse 200 millions de dollars et puis l'État lui-même lui besoin seulement 35 millions de dollars pour construire toute pépinière. Et puis peut-être pour construire pas des gros pépinières tant que ça ne balle 14 jours, des petits pépinières qui pipitent sous île adjacente tant que des îles tant que île Avache, Roscaï, île de la Gonave, île la Tortue et les Caïmites. Un jeudi soir, moi j'ai rencontré avec secrétaire général Nations Unies, hein, je voulais parler de monsieur Antonio Guterres. Et il y a deux sujets que je me prends avec lui. Deux sujets. Premier sujet, c'est sous affaire choléra. Et deuxième sujet, nous t'ai parlé avec lui, c'est mission MINUSUS là, qui nous connaît que mission a gagné un an déjà, il était un an. C'est nous t'ai parlé avec lui, nous t'ai dit que moi-même le ministère a quitté pays là et dans campagne électorale, moi était clair, nous t'ai dit si mon critique m'était fait, c'est pour transfert de connaissances. Par exemple, ministère qui saute fait. Plus de 10 ans en Haïti, tu es un bon expert dans affaires police qui était dans le ministère et pourtant, transfert de connaissances à travers la police nationale, je n'ai pas senti le fait. J'avais dit, connaissances qui ont été venues avec l'IA, il n'est pas transféré par acteurs nationaux. Et c'est pour ça que je me demandais que je dis à travers la mission, ça, MINUSUS, qui est même son mission de transition, comment que tu as travaillé étroitement avec la police nationale là pour nous être capable de faire transfert de connaissances. Dernier petit bagage de dire ces affaires, on coûte mais je me demande pour une compréhension notamment pour fonds monétaire, ça veut dire bailleur, partenaire financier technique, il y a gagné de situation pays vulnérable. On paye tant coup Haïti qui sont pays à chaque temps nous pour lever camper et puis c'est un coup ouais, de pied nous casse encore. Ou te, nous te regardé qui ça fait à partir de 2009, pays a te commencé à prendre route pour la route progrès, nous pour un tremblement de terre, 300 000 moun mourir, pays a font bac de tourner net. Élection, dans mi-temps élection 2016, dans mi-temps élection, pays a prend cyclone. 4 départements sur 10 dans pays a ravagé net.
et il y a 7 départements qui touchés. Ça veut dire jusqu'à présent, dans 4 départements, nous avons travaillé sans camper. Et c'est un coup nous croiser doit nous pour nous dans saison cyclonique pour nous prier bon Dieu pour dire pour cyclone n'a pas frappé Haïti. C'est pour me dire nous que Haïti son pays qui nous situation spéciale qui m'a un traitement spécial. Moi t'ai demandé secrétaire général Nations Unies pour te parler avec gros partenaire pour nous tant qu'au Fonds monétaire international. Il était ben nous garanti qu'il était fait ça déjà pour la Jordanie, il va laisser faire pour Haïti pour une souplesse dans mesure. L'autre sujet dans le journal, un responsable autorité nationale, régulation secteur énergétique là, ANAR, ça va poursuivre jeudi 27 septembre, non, avec atelier travail sur le régulateur a été commencé lundi 24 septembre, non. Atelier ça a duré 5 jours, déroulé en baptême, atelier sur la corruption et les responsabilités d'un régulateur du marché de l'électricité en Haïti. Et ça a eu relu ça a Wilson Idoré pour un compte rendu. Atelier ça rassemble responsables d'une série d'entreprises qui travaillent en production et commercialisation courant électrique en Haïti. Ils permettent de gagner information sur création et responsabilité régulataire dans la question de vente courant dans le pays. C'est la troisième séance formation Autorité nationale régulation secteur énergétique là organisée pour aider dans le développement secteur d'après directeur général Strictissa Evenson Calixte. Régulation, tarification et responsabilité régulataire, c'est un seul thème qui a traité pendant l'atelier ça. D'inviter tout acteur là vienne comprendre qui mouvement pour faire dans secteur plus son secteur qui ouvre. Il y a trois bagages fondamentales le secteur ouvre. Premier objectif ou bien premier rôle que un régulateur pour le gérer, c'est bail licence, c'est octroyer des autorisations qui permettent une construction centrale et construire un réseau de transport et vendre courant. Donc régulateur, comme les gens ont les bail licence, donc nous avons fait premier module de formation sous octroi de licence, qui procédure généralement qu'un régulateur à travers le monde utilisé pour le bail licence et qui procédure en assez en temps d'utiliser. Ensuite, nous avons fait deuxième formation sous tarification. Ça, c'est un élément fondamental lié, parce que pas une entreprise qui a vu investir, si ou pas dit clairement, comment on va recouvrir, comment on va rentrer, quoi, pour investir. Donc, nous sommes là pour nous dégager les questions et ça. Mais faut dire tout ça n'a fait là, il entrer en ligne droite avec programme gouvernement gagné pour mettre courant dans le pays 24 sur 24. Et me rappeler tout le monde que programme ça a gagné plusieurs axes. Il y a une première action, c'est travail sur réseau régional. L'un des travail sur réseau régional, c'est rassurer que tout segment dans le réseau régional a avancé, c'est-à-dire segment génération production d'énergie a avancé, segment réseau a avancé et segment vente d'électricité a avancé. Quelques participants saluent des massages d'après eux, cap aider à créer confiance sous marché et puis aider le rentable pour investisseurs. Ils promettent pour collaborer avec les responsables ANACEM pour avancement secteur énergétique. Atelier travail ça qui commence lundi 24 septembre, a privé dans bout de 28 septembre cap venir là. Il fait partie du programme gouvernement haïtien pour la population pour 24 sur 24 d'après Evenson Calix. Vers la modernisation de la justice pénale haïtienne, c'est sous thème ça, Association nationale magistrat haïtien non tête collée à l'ambassade américaine et puis l'autre partenaire organisé une conférence débat vendredi 28 septembre. Non. Activité ça fait en présence comme magistrat parlementaire, membre commission justice Sénat, membre commission justice chambre députée, avocat, représentant société civile là, ambassadeur, représentant ministère justice et sécurité publique. Compte rendu Rachel Saint-Fort à Claude. Adapter code pénal à code procédé pénal là à réalité pays pour moderniser justice pénale là en Haïti. Prend commenter différents acteurs concernés, attirer attention parlementaire sur nécessité pour adopter de nouveaux projets code pénal à code procédé pénal là qui déposé dans parlement. C'est pas mes objectifs, je t'ai parlé ça. Association nationale magistrat haïtien ANAMA organisé dans tête collée avec l'autre partenaire. Ça fait longtemps que divers gouvernements ont informé plusieurs commissions présidentielles pour des travaux sur la réforme des codes. Parce que le code pénal, le code procédure pénale, il est là depuis 1836. Or, il y a une pile de nouvelles infractions venues, par exemple, et des infractions qui concernaient crimes financiers et autres crimes transnationaux. Donc, je dis à nous estimer que
Parlement prend un bon petit temps pour intervenir sur le code. Nous devons faire un débat pour nous sensibiliser le Parlement, pour voir comment nous travaillons sur le code, pour voter, pour capable doter le pays de nouveaux instruments qui pour permettre que nous réprimer les nouvelles infractions et permettre que la justice pays soit modernisée et on réforme fait dans la justice pénale pays. Dans l'intervention, l'ambassadeur des États-Unis dans le pays d'Haïti, Michel Cizène, explique l'adoption de nouveaux codes a aidé à renforcer la juridique pays, augmenter la confiance citoyen dans le système judiciaire, nan favoriser l'état de droit, investissement et croissance économique pays. L'ambassadeur a renouvelé l'engagement du gouvernement américain pour continuer à appuyer les efforts d'autorité a fait pour adopter le nouveau code. Votre travail, combien important, aide à réduire le risque de l'impunité en appuyant la réforme de la justice pénale, la promotion de la transparence judiciaire et le renforcement de la participation des citoyens aux efforts des réformes judiciaires. Vous avez notre attention, vous avez notre soutien. Nous voulons continuer à soutenir votre travail visant à renforcer le cadre juridique d'Haïti, à protéger les droits des citoyens et à augmenter la redevabilité et le contrôle au sein du système judiciaire. Dans l'occasion, le ministre de Justice et Sécurité publique, M. Jean-Woudi Ali, salue l'initiative ANAMA qui vise à impliquer plus magistrats, professionnels de droit, toute force vive nation dans le travail de sensibilisation parlementaire pour voter de textes. Le code pénal et le code d'instruction criminelle en vigueur, vieux de près de 2 siècles, sont évidemment dépassés, déconnectés avec les réalités du 21e siècle. La modernisation de la justice pénale s'impose donc. Dans cet ordre d'idées, le gouvernement de la République a présenté au pouvoir législatif un projet de code pénal et celui du code de procédure pénale. Deux textes ambitieux, innovateurs, modernes, qui tiennent compte de l'évolution du monde en général et celle de la société haïtienne en particulier. Le projet du code pénal a le mérite d'incriminer certains faits jusque-là non infractionnels, de correctionnaliser certains crimes, de contraventionnaliser certains délits et de dépénaliser un ensemble de faits. Président Conseil supérieur pouvoir judiciaire, M. Jules Quintave, déplore des études des codes saillants dans le patrimoine judiciaire. L'invité parlementaire au travail davantage pour le projet code pénal à code procédure pénale l'arrivée votée dans le Parlement. Nous devons crier haut et fort, tirer la sonnette d'alarme pour attirer l'attention de nos parlementaires et leur dire que c'est une urgence. Une grande urgence pour la justice de ce pays de se voir doter des codes adaptés aux diverses infractions de l'heure aux fins de les prévenir et les réprimer à leur commission. Président Anama a annoncé et continue l'activité mobilisation, sensibilisation bon côté acteurs concernés pour faciliter le pays à l'instrument qui permet la justice de faire travailler comme ça doit. Et responsable Office Protection Citoyen OPC réalisé une semaine formation pour divers jeunes qui sortent dans plusieurs régions dans le pays, soit avancement, soit ensemble doit monde gagner. Technique pour faire plaidoyer, accès à la justice, détention préventive prolongée, c'est ensemble thème intervenant yo, débat avec participants yo, dans le cadre séminaire formation si là. Yo extrait dans le micro Rodney d'Orléans avec Frisnel Toussaint. Pendant la semaine, ça, il y a un séminaire là qui a fait sur les techniques de plaidoirie. Deuxièmement, il y a un qui a fait sur détention préventive prolongée et accès à la justice. Et le séminaire, ça, actuellement, là, il y a plus que 35, 34 et 35 participants là-dedans qui sont dans différents coins de la République, de Jérémy, de Wanamet, dans le sud-est et puis dans le sud. Et puis là-dedans, tout y a un ensemble d'organisations de droits humains qui a participé ensemble avec nous. Nous-mêmes, nous avons des capacités pour évaluer
monde qui fait partie de l'OPCO, mais l'autre monde, c'est des organisations qui habituent à travailler dans le même domaine. Ça, tout. Donc, tu as souhaité que vous preniez la même formation. Ça. Donc, de toute façon, formation, ça, c'est et Avocats sans frontières Canada qui finançait l'OPC à profiter, jouir du projet ça allié avec Avocats sans frontières. Le ministère agriculture et ressources naturelles et développement rural en tête collée avec l'Organisation mondiale santé OPSOMS célébré vendredi 28 septembre en journée mondiale rage la sous thème transmettez le sauver une vie. En occasion, le ministère agriculture avec Jobert C. Engrand annoncé un travail pour améliorer prise en charge monde qui trappe la rage et puis renforcer les efforts qu'a fait pour lutter contre maladie si la dans sens ça les solliciter implication tout secteur dans le pays. Ministre agriculture Jobert C. Engrand et Namiko Ansimas avec André Chéri n'a pas invité au côté. Cette commémoration est une occasion pour nous de sensibiliser la population et porter tous les acteurs intéressés à la problématique de la rage. À comprendre l'importance de cette maladie tant sur le plan de la santé animale que de la santé humaine et de prendre chacun ce qui le concerne, les mesures appropriées pour briser d'une part le cycle de l'infection du virus rabique au niveau des vecteurs réservoirs et d'autre part améliorer de manière sensible la prise en charge des personnes mordues. Mesdames, Messieurs, c'est pourquoi j'éprouve une joie immense d'endosser avec le ministère de la Santé publique et de la population, le CDC, la CVM, et l'OPSOMS, l'organisation de cette commémoration pour sensibiliser la population et encourager les techniciens des institutions subventionnées à travailler ensemble pour sauver des vies. Mesdames, Messieurs, tout n'est pas à faire de ce travail. En effet, le ministère de l'Agriculture peut s'enorgueillir d'avoir développé avec MSPP, l'OPSOMS et le gouvernement brésilien de relations cordiales de coopération qui entre 2006 et 2010 ont permis une amélioration de la couverture vaccinale du pays. Le MAD a consenti beaucoup d'efforts en matière de lutte contre la rage et qu'il est pleinement conscient de la mission et des responsabilités qui lui sont dévolues. Alors, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé publique s'évertueront à accroître la dynamique de la coopération avec ses partenaires et solliciter la collaboration de la population pour améliorer les campagnes de vaccination et étendre la surveillance de la maladie et de la rage dans le pays. Et représentant au PSOMS, la Nathaël Fénelon Soubopal a expliqué que le tourage a diminué à 95% depuis dans l'année 1943. Il promet qu'il a renforcé le programme contre la maladie en Haïti pendant qu'il a amélioré la surveillance avec la couverture vaccinale chien. Nathaël Fénelon, tu es dans le micro Ansimas avec André Chéri. Les cas de rage chez les chiens et les humains ont diminué de 95% dans la région depuis 1983, date à laquelle l'OPS-OMS a commencé à coordonner l'action régionale visant à éliminer la rage humaine dans la région. À l'échelle mondiale, 59 000 personnes meurent chaque année de la maladie, principalement en Asie et en Afrique, mais au niveau de la région des Amériques, donc pour l'année 2017, il y a seulement 19 cas qui ont été notifiés. La majorité des pays des Amériques ont éliminé la maladie. La rage canine ne reste endémique qu'en Bolivie, au Guatemala, en Haïti et en République dominicaine. Tandis qu'en Argentine, au Brésil, Cuba, Pérou et au Venezuela, donc des cas isolés représentent seulement 10% du total des cas de rage canine. Tant qu'il y aura des chiens atteints de la rage, le risque pour les humains demeure. Tant qu'il y aura des chiens atteints de la rage, le risque pour les humains demeure. Nous devons renforcer les programmes contre la rage en améliorant la surveillance et la couverture vaccinale des chiens dans tout le pays.
De ce fait, nous avons besoin de la participation et la collaboration de la population pendant les campagnes de vaccination des chiens. Ces moments dans TNH pour nous observer une pause commerciale. Restez avec nous, on a tenu un petit moment. On a poursuivi avec information. Merci pour fidélité et attention. Observatoire Jeunesse Haïtien au JH, en collaboration avec le Fonds Nations Unies pour Population, organisé 3 journées de formation sorties mercredi 26 pour arriver vendredi 28 septembre pour jeunes qui sortent dans différents départements dans le pays. Activité s'est déroulée sous thème atelier renforcement capacité Observatoire Jeunesse Haïtienne. Mildred Milias, Claude Ligeonjard, a présenté un reportage. Zéro décès pour femmes qui font petit, zéro violence qui font sous monde, planification familiale, c'est quelques points qui te débattent dans 3 jours de formation. Le secrétaire général au JH, Stanley Augustin, explique qu'il n'y a pas prêté seulement à organiser formation pour les jeunes, mais il entend faire un plaidoyer au côté de l'État haïtien pour accompagner les jeunes, aider à contrôler pour faire petit, améliorer le rapport avec les gens. Nous-mêmes, nous décidons d'engager nous ensemble avec FUNAP, bon côté, qui a déjà un objectif, ça, nous sommes jeunes capables d'aider à réduire le taux de décès maternel. La même jeune a goumé pour nous aider pour nous aider à réduire le taux de violence basé sur les gens qui sont en Haïti. On a peut-être des discours qui gagnent à travers les médias, on a peut-être des discours qui gagnent dans tout espace de pouvoir, qui gens comprennent les femmes surtout. Donc tout ça, c'est du engagement que nous-mêmes avons pris avec FUNAP. On connaît tout, dans la question de planification familiale, qui problème qui gagne en pile monde qui n'a pas accès à la planification familiale, surtout jeunes, nous décidons d'engager, nous permettre que l'État prenne des mesures, prenne des dispositions pour capable mettre planification de méthode de planification familiale à la disposition de jeunes pour surtout le même capable contrôler et pouvoir pour faire petit. Chargé programme Jean-Jacques Jeune Fondation Nations Unies pour développement en Haïti, Marie-Josée Desrosiers Salomon, renouvelé engagement institution li représenté pour encadrer jeunes yo, contribuer à la formation sexuelle jeunes yo et spécialement adolescents yo. Dans travail yo t'a fait. Si nous prenons un groupe zéro violence basée sur le genre, il intéressé à 2 thématiques. Il dit qu'il prend le nom faire plaidoyer contre agression verbale. Il parlait de grossesse précoce qui est considérée comme une violence basée sur le genre. Il parlait de union précoce qui est. Et c'est si jeune petit monde qui marié qui non qui a rapport c'est eux même qui fait constatation c'est sous lui dit au vrai travail ensuite gagne un groupe dans besoin de satisfaction PF qui ouais que lui même c'est des plaidoyer qu'a fait pour ministère éducation nationale et appuyé pour intégrer éducation sexuelle complètement au curriculum. Plusieurs jeunes remercient responsables d'institutions SAIO pour déroulement séance formation ça qui permet de recevoir connaissances dans divers domaines tant que planification familiale et sexualité. Nous avons bien 3 objectifs qui besoin atteints et à partir de l'Observatoire de la jeunesse, ok, et qui a plusieurs jeunes qui sont dans différents départements dans le pays. Et côté que nous voulons atteindre 3 objectifs, ça, côté que nous avons premièrement 0 violence basée sur le genre, y compris la grossesse précoce et ensuite l'union des enfants. Nous avons un deuxième point qui est zéro besoin non satisfait en PF, planification familiale. Et troisième point qui est zéro et violence et zéro décès maternel. Responsable observatoire jeunesse haïtienne au JH l'a annoncé. Il y a bien pour présenter dans le jour qui vient là, plan action pour l'année 2019. Là. Et une fois qu'on est connu, ministère commerce et industrie a organisé 2 journées de formation jeudi 27 à vendredi 28 septembre dans sous gestion entreprise à comptabilité pour bénéficier d'un programme appui pour entrepreneuriat jeunesse la PAPEJ. Activité ça rentrée dans le cadre dispositif présidence l'emprunt pour accompagner jeunes. Stéphanie Charles à Toussaint Fesnel a présenté un reportage en suivre. Des journées formation ça rentrer dans cadre accompagnement pour appuyer et puis accompagner jeunes yo dans élaboration avec exécution projet yo gagné encourager au finaliser et puis normaliser produit yo journée formation ça yo qu'a réalisé pour jeunes dans 140 communes dans pays a aider yo lancer propre activité yo d'après coordonnateur projet appui entrepreneuriat jeunesse là Ricardin Saint-Jean avec PAPEJ la première année de l'entreprise que ce soit la patente la carte d'identification professionnelle l'enregistrement au ministère du commerce, c'est le ministère qui s'en charge.
c'est indispensable pour nous, au niveau du PAPEJ, que les bénéficiaires du programme soient formés. C'est des entreprises qui peuvent faire face à accès au crédit, un bagage qui est très rare en Haïti, pour une fois des jeunes entrepreneurs. Dans toute commune dans le pays, je rappelle qu'on a les 140 communes présentes ici, des jeunes qui sont partout, qui ont des projets d'entreprise, qui ont des accès à crédit. Coordonnateur commission jeunesse là Rico Pierre lui bon côté parle fait qu'on est la pas Cyril tout bénéficiaire yo gain information nécessaire dans l'idée pour aider l'état dans moyen la ba yo pour gérer business yo. Ministère commerce et ministère finance la tête collée à commission de démêler yo comme Jean-Jacques aux jeunes qui présentaient puis bon projet yo joindre accompagnement nécessaire dans mettre camper business yo. En plus de ça, la Commission nationale jeune assure que tout bénéficiaire ça a participé à la formation ça a pour arriver à joindre moyen. On fait ce business grandi et on a mis ensemble avec le ministère ça a on a parlé de ministère finance, ministère commerce, pour organiser non seulement deux journées de formation, mais de l'autre formation qui va venir encore dans le prochain jour. Une façon pour aider à gérer moyen l'État pour le mettre à disposition. Ministre commerce là, bat bravo pour l'équipe PAPEJ là, qui d'après lui a travaillé pour créer plus de jeunes entrepreneurs dans le pays. Il promet bénéficiaires yo, a gagné accès crédit et puis accompagnement technique. Ronel Gilles souhaite bénéficiaires succès et puis bail meilleur de yo même. Beaucoup de défis se sont présentés devant vous. Vous les avez vaincus par votre audace. Votre ténacité, vous allez faire partie désormais d'une classe privilégiée, maîtresse de son destin et modèle pour les générations présentes et futures. Il vous a suffi d'avoir une idée. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire que les idées, ce sont les idées qui mènent le monde. Cette formation que vous allez recevoir va vous donner des rudiments de gestion et de comptabilité susceptibles de vous permettre de réussir pleinement dans votre entreprise. De plus, le MCI va vous permettre de bénéficier de tout le paquet, incluant la formalisation de votre entreprise, son accompagnement technique, son accès au crédit et son accompagnement post-financement. Continuez à donner le meilleur de vous-même et accrochez-vous. Ministère commerce et industrie, dans tête collée avec programme appui entrepreneuriat jeunesse la PAPEJ, a gagné pour mettre sous pied chaque 3 mois 300 nouveaux jeunes entreprises pour aider à créer travail dans le pays d'Haïti, d'après recommandation président République là, Jovenel Moïse. Et puis, nous avons un réseau haïtien journaliste dans le domaine santé, attiré attention autorité dans le ministère de santé publique et la population pour renforcer la campagne de sensibilisation sous question planning familial. À côté, 34% de femmes dans le pays n'ont pas accès à la contraception. Secrétaire général RHJS LAN, Dr. Odile L'Espérance, recommande autorité dans l'État, mettez sous pied une autre politique planning familial et puis permettre programme ça. Puis accessible pour famille dans le pays. Nous invitons à suivre un extrait de micro Sainte-Croix-Paki avec Fresnel Toussaint. De sensibiliser la population du monde entier sur la nécessité qui gagne pour nous capables de gagner un meilleur contrôle des naissances. Parce que constat, selon l'Organisation mondiale de la santé, gagne près de 80 millions de femmes qui enceintes sans que vous parlez. Et dès qu'on parle de grossesse non désirée, grossesse moun n'a pas souhaité, souvent, y a tendance à recourir vers avortement. Et qui dit avortement, il y a moun qui pa gen moyen pour y a joindre un professionnel qualifié, eh bien, y a les joindre des charlatans, et nous gagnons près de 70 000 cas de décès à travers le monde chaque année qui se suit à des complications d'avortement. Et fléau
et question de avortement ça li atteindre jeune yo tout même dans pays d'Haïti et situation ça li interpeller nous au niveau du réseau haïtien de journalistes en santé pour nous capable sensibiliser la population en général sur nécessité qui gagne pour nous capable faire planning nous voulons que planification familiale là li accessible et disponible à tout le monde quel que soit côté lié dans pays. Nous attirer attention l'État en général et secteur privé à tout pour yo capable yo même et tout le monde font synergie autour de la question de la planification familiale parce que nous dit planification familiale est égal planification de vie. Contraception droit toute femme doit gain accès à cli c'est sous thème ça ministère santé publique intercollé avec organisation haïtienne marketing social pour la santé commémoré mercredi 26 septembre en journée mondiale contraception activité ça été occasion pour différents acteurs qui travaillent dans domaine santé sexuelle et reproductive association jeunes responsable avec élèves l'école réfléchit ensemble sous question compte rendu Rachel Saint fort avec Christelle tout ça. Permettre les monde connaît existant journée mondiale contraception hein, montrer importance travail sensibilisation qu'a fait pour éduquer jeunes sur sexualité à contraception by preuve qui a servi pour justifier intégration sujet sur santé sexuelle et reproductive dans programme scolaire. C'est parmi objectif célébration journée hein, d'après initiateur yo. Activité ça été occasion pour responsable organisation haïtienne marketing social pour la santé au mas parler sur un mouvement qui portait nos jam qui visait permettre jeunes yo gain accès à information qui fiable sous contraception et méthode yo. Je dis à c'est un jour côté que monde là alors commémorer contraception donc habituellement en Haïti c'est une journée qui passe presque inaperçue donc en partenariat avec MSPP au mas t'est décidé by jeunesse ça yon plus grande ampleur côté que nous présenter ensemble de conférences débats sous histoire contraception réalisation qui fait défi qui rete yo mais nous t'ai surtout mettre en face son mouvement que nous gain mouvement jam. Mouvement jam nan repose sous autonomisation des filles et des jeunes femmes nan question fait timon nous connaît que très souvent en Haïti 3-4 jeunes filles qui abandonner l'école ou bien abandonner rêve c'est parce que yo enceinte dans mauvaise condition. 3-4 jeunes filles qui en Haïti enceinte c'est un accident qui lié. Projet panouan permet à ce que mesdames yo capable vinn gen contrôle nan ki moment vle fait timon nan ki condition vle fait timon et combien timon yo vle gagner. D'après directeur santé famille dans ministère santé publique et population docteur Renold Grandpierre, gen progrès qui fait dans question contraception dans pays d'Haïti pendant li précisé gen pile travail qui doit fait toujours. Indice synthétique de fécondité, c'est-à-dire en moyenne qui quantité petite aux femmes qu'a fait dans vie reproductive son bagage que en Haïti nous t'est sorti dans 4.85 kounye à nous rive à 3 c'est que l'organe de chiffre net ou car elle pas représentant même elle représente en pile en termes d'efforts c'est-à-dire jodi en moyenne une femme haïtienne fait 3 petites dans vie reproductive oui naturellement me dit en moyenne gagne capable faire 6 mais gagne cap fait une tout cap fait 2 nous dit que ça nous les prévalences et méthode contraceptive là c'est-à-dire taux d'utilisation méthode contraceptive nous sorti de 15% dans les années 95 jodi a nous à 34 mais à 34 là c'est nous qui pi bas dans zone hein? Et objectif ministère de santé publique c'est que nous qu'arriver à 60 70 tant que l'autre pays yo. Donc oui gain progrès mais oui gain pile travail qui vous fait toujours responsable fait qu'on est il a continuer travail communication sensibilisation éducation pour permettre jeunes contrôler vie planifier avenir éviter grossesse non désirée non faciliter au gain accès à méthode contraceptive et puis choisir méthode qui bon pour yo activité ça c'est occasion tout pour organisateur remettre plaque honne avec mérite par diverses personnalités pour contribution à engagement yo dans affaire promotion santé sexuelle et reproductive dans pays a. Nous avons observé notre pause commerciale. Restez avec nous. Et Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu déclaré pays Iran gain un site stockage atomique secret dans Téhéran. Une accusation ambassadeur iranien dans Nations Unies voyez jeter en suivant. Depuis tribune Nations Unies, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ak preuve parlementaire déclaré autorité iranienne gain un site stockage atomique secret dans Téhéran.
Yon accusation ambassade iranien bon côté Nations Unies ak chef diplomatie iranien rejeté. C'est une deuxième accusation après déclaration président américain dans tribune Nations Unies mardi 25 septembre passé à côté d'après li gen un dictateur corrompu sous pouvoir dans Téhéran. Bon côté payo européen yo tenté sauver accord sur nucléaire iranien et annoncé création un système troc une façon pour préserver commerce ak Iran tout pendant APC protéger tête yo contre sanctions américaines. Pour nous finir le journal, on a présenté au grand titre au président de la République, Jovenel Moïse, a retourné dans le pays après participation dans la 63e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Chef l'État a présenté bilan activité lui-même pendant passage li dans New York. Responsable Office Protection Citoyen OPS a réalisé une semaine formation pour divers jeunes qui sortent dans plusieurs villes dans le pays, sont ensemble de Mounguéa, technique pour faire plaidoyer, accès à la justice, détention préventive prolongée, ces thèmes qui te débattent avec participants. Yo. Ministère agriculture et ressources naturelles et développement rural dans tête collée avec Organisation mondiale santé OPS OMS célébré vendredi 28 septembre la journée mondiale la rage vers la modernisation de la justice pénale haïtienne. C'est sous thème ça Association nationale magistrat haïtien dans tête collée avec ambassade américaine en Haïti et puis quelques autres partenaires organisés une conférence débat. Et puis premier ministre israélien Benjamin Netanyahu accusé pays rang comme quoi l'État a gagné un site et stockage atomique secret dans Téhéran, une accusation ambassadeur iranien des Nations Unies vous est jeté. Voilà, madame, monsieur, c'est la journal à bout pour jeudi, mais avant nous aller, nous avons souhaité un bon anniversaire de naissance à collaborateur nous, Kenly Vincent, Kenly, toute équipe l'a souhaité longévité, succès et santé. Merci tout le monde qui t'a suivi le journal. Bonne soirée.